Et yon l'autre fois encore, moi bien content de rejoindre nous sur Channel ça pour me porter l'autre bulletin information qui a dominé l'actualité à nan pays d'Haïti pour journée vendredi qui c'est 4 octobre 2024. La m'a salué tout le monde et m'a dit tout le monde bienvenue sur Channel information par là. Information qui s'allie mesdames et messieurs. Et n'a fait un coup de pied dans bas la Tibonite pays d'Haïti côté que nous connaît hier qui c'était jeudi 3 octobre 2024 là côté qui bandit ça vient te débarquer dans zone Pont-Sondé, c'est ça oublié ou pas de faire. En pile monde est tombé, en pile monde blessé, c'est bagaille tête chargée. Nous allons faire un coup de pied dans l'hôpital Saint-Nicolas dans ville Saint-Marc. Côté que dans l'hôpital Saint-Nicolas dans ville Saint-Marc, côté que des familles victimes là qui débarquaient, ils ont cherché petit yo, ils ont pas trouvé petit yo, ils ont débarqué jeune petit yo en l'air sous dos, c'est bagaille tête chargée. Et ceci, gain plusieurs famille, mesdames et messieurs, qui ont cherché famille pour qu'on côté qui ont inquiété parce que bandits ont débarqué, mesdames et messieurs, côté qui bandits ont tué moun et ça là, ils ont fini tué moun yo, ils ont chaké yo, ils ont coupé tête yo, avait dit, moun sa lui-même pas aucune façon pour famille victime ça lui-même les identifier qui est. L'identifier qui est. Et ceci, il y a des gens qui cherchent famille là, ils ne peuvent pas avoir une famille. Ils ne peuvent pas connaître si le monde. Et il y a des gens qui allaient à l'hôpital, ils ne peuvent pas avoir une famille. Ça veut dire que la famille, ça lui-même, les sous d'autres. C'est après quelques jours, si toutefois, il n'y a pas de famille, ça lui-même, entrer ou bien rencontrer avec Yonnayo, ou bien entrer en contact avec Yonnayo, mais il y a des Mounsa lui-même il était passé et parmi Mounsa qui était tombé en babal. C'est bagaille tête chargée, mesdames et messieurs. Côté qui, mesdames et messieurs, nous avons un commissaire police là qui peut parler tout et nous allons faire autant de petits machins et alors que petit malheureux qui était débarqué dans l'hôpital Saint-Nicolas qui t'a relé en mouille. Et côté famille, et il y a qui t'a relé garder et État est tel. Bon, quittez nous suivre après et map retourner. Voilà, mesdames et messieurs, on ça y est. Et devant l'hôpital Saint-Nicolas, Saint-Marc, côté en pile famille, victime, moun qui confirmé et même moun qui pas confirmé, eh bien, a essayé garder qui boit famille, en pile crier, mes amis, en pile crier. Et c'est comme ça la situation lui-même liée. L'hôpital Saint-Nicolas Saint-Marc déjà dépassé par l'événement. La minute que nous avons parlé à là. L'info beau et nous sous place dans l'hôpital Saint-Nicolas qui déjà presque dépassé par les événements. Et côté que en pile famille victime dans la zone Pont-Sondé, jeudi en qui c'est octobre 2024 là, mesdames et messieurs, n'après qui gens ont marché pressé dans l'hôpital Saint-Nicolas Saint-Marc côté que plusieurs familles victimes déjà yo même vini assister famille yo qui pratiquement prend balle que comme si capable constater jeudi à mesdames et messieurs nous sur place dans l'hôpital Saint-Nicolas Saint-Marc nous allons essayer de garder ensemble qui genre situation lui-même liée pour matin. Moun ki pran bal kon sa, mes amis. Moun ki pran bal. Voilà, devant l'hôpital Saint-Nicolas Saint-Marc, c'est comme ça que déjà commencé à masser avec moun matin, mesdames et messieurs. C'est en pile bouara qui gagne devant l'hôpital là. Pour taouer qui façon que moun yo ta capable d'entrer. Et de temps en temps, c'est un monde qui a voyé venir l'hôpital là qui prend balle. Situation vraiment dépassée dans la minute que nous avons parlé à là. Mesdames et messieurs. Centaines de monde qui sont sortis dans la zone Pont-Sondé étaient obligés de prendre refuge sous place Philippe Guerrier devant mairie Saint-Marc. Nous prenons le soin pour nous féliciter tout le monde Saint-Marc, tout le monde qui fait solidarité avec le monde dans Pont-Sondé. Tout le monde solidarité ça, montrer à clé l'autre pour le rabaisser, mais nous avons fait tout bon ensemble, si toutefois nous accepter qu'on est qui côté nous voulons aller réellement avec bataille ça. Jeudi, c'est pratiquement une journée noire pour Pont-Sondé, côté plus qu'une trentaine de monde victimes. Il y a des gens qui mourent, ils ont coupé tête, il y a des gens qui mourent par balle, il y a des gens c'est avec manchette que gang raché. Et il y a, selon source que nous fait confiance, il y a environ 18 personnes qui sont blessées, qui étaient allés à l'hôpital Saint-Nicolas Saint-Marc, il y a 3 là-dedans qui blessés, que ils allaient dans la salle opération avec eux, et l'hôpital Saint-Nicolas Saint-Marc recensait seulement 4 corps sans vie. Ça veut dire qu'ils n'ont pas l'hôpital Saint-Nicolas. Mais par conséquent, plus que pas gagné, ça n'a pas les constats légaux qui étaient faits bon côté autorités concernées, parce que selon source que nous fait confiance, eh bien fait nous connaît que juge de paix pas capable de jouer un greffier pour être capable d'aller sur les lieux. Qui donc, faute de greffier, constat légal, ça yo pas arrivé fait, famille, mort, levé cadavre, et gen cadavre tout, qui te continué à dodoméa à terre. Il est important pour nous souligner pour vous, ça qui passe aujourd'hui dans la vallée la Tibonite, c'est négligence autorité concernée yo, dans le plus haut niveau de l'État, surtout dans le haut état-major, la police là. L'important pour nous. Oui, mesdames et messieurs, nous attendez critique et malheureux, mesdames et messieurs, dans l'hôpital Saint-Nicolas. Côté que, mesdames et messieurs, bon, je suis capable de dire c'est négligence l'État haïtien. Et si la population a crié jour et jour, c'est négligence l'État haïtien. Parce que, en attendant, mesdames et messieurs, moun qui là pour bailler résultat dans le pays là, regardez là dans boule figure, y a dit yo c'est DG, y a dit yo c'est premier ministre dans le pays yo là. Mais en attendant, si nèg ça yo là, pays d'Haïti pas besoin l'autre bail mesdames et messieurs. Pays d'Haïti besoin moun qui ka passer l'ordre. Pas de question à faire pour la police manquer matériel, pas de bagay ça. Nous avons un problème, moun qui a passé l'ordre dans le pays. A tel bagaille de fête, date cette li de fête. Mais nous avons un paquet de nègres qui a géré pour voir, pour faire l'argent. Et si on a raison, nous avons besoin de forme résultat ça là. Côté que l'insécurité à lui-même, il y a un avantage nègre dans le pays. S'il n'y a pas d'avantage nègre, bon, ok, qui ça? Criminel qui t'a dans le nègre. Pour un victime dans un pays comme ça, et puis ou même étant que autorité ou pas prendre décision. Avait dit on a yo même y a gérer pouvoir yo, mais pour gérer pouvoir faut gagner insécurité dans pays là. Oui, faut gagner insécurité dans pays d'Haïti parce que m'pa ça ça cap soute nan yon nèg. Pour yon individu lui même li hors la loi dans un pays, la psy panique et puis ou même étant que autorité ou a garder bandi yo cap ferraille dans pays là. C'est parce que nèg yo insécurité à bon pour yo, insécurité à bon pour yon série de patrons négio non international là. M'pral faire nous suivre mesdames et messieurs et commissaire police là qui tape qui était sorti dans silence li après massacre ça fin passé. Bon, moi me trouver intervention ça monsieur Féa et c'est une intervention mesdames et messieurs mon irresponsable, mon qui irresponsable mesdames et messieurs. Nous pral suivre déclaration monsieur Maptoune. Je profite de l'occasion pour saluer la presse et je viens directement à la question, nous tentons de répondre aux questions proposées. Oui, la police a un contrôle de la situation et pour le moment et pendant un bon bout de temps. Et, sauf que nous avons une attaque surprise matin au niveau de Pont-Sondé. L'attaque a été soulevée par une trentaine de victimes. Comme dans le stade d'évaluation, nous sommes capables de faire un rapport définitif, mais au fur et à mesure, nous avons compte rendu de l'événement pour comprendre comment il a été fait, pour qui ça a été fait, combien de victimes il y a, ou du moins nous sommes capables de descendre au bilan. Lorsque vous avez une situation, ça veut dire que vous avez des policiers qui sont sur place, qui a Pont-Sondé, qui est dans le commissariat Moroukaïla. Et justement, nous avons un fort qui vient jouer nous. Et les policiers ont été répondre présent. Et jusqu'à présent, là, et nous avons une équipe qui a prêté avec nous. Et qui a continué à faire ça que nous avons fait. Même travail qui a fait pour entrer à l'école, il continue. Et sauf que nous avons profité micro la presse, pour moins exhorter la population et pour ne pas courir, monter, descendre à partir de rumeurs que vous entendez. Donc au matin, vous avez une panique dans la ville parce que il y a des gens à motocyclette, nous ne savons pas pour qui est ce travail, il y a un travail pour bandits à venir, pour les gens qui ont besoin de ces chaos et dans la communauté, pour dire que même bandits à venir, arrivés sous nous là, etc. Nous sommes censés gagner au moins 2 lignes de défense avant de rentrer Saint-Marc. Et les lignes de défense sont toujours là. Donc, faites confiance à la police. Et entre-temps, je pense que d'après le rapport compte rendu que nous avons déjà, il y a d'autres secteurs qui travaillent dans la question de sécurité publique, qui dans la communauté. Nous avons OPC qui là, qui ne travaille pas la fait et qui est mobilisé, beaucoup mobilisé avec le ministère de l'Intérieur pour voir comment ils sont capables de prendre en charge et des déplacés surtout qui quittent la zone. Nous avons une centaine de déplacés qui ont envahi la place publique là. Il y a qui tentent de rentrer dans quelques lycées qui sont dans la ville là. Donc on pense qu'il n'y a plus de peur que de mal. Et n'a pas été confiant en attendant que Port-au-Prince voyait et puis go backup pour nous capables de voir comment on a bien gérer la situation. Qu'est-ce que Port-au-Prince pour mettre? Bon, l'homme dit Port-au-Prince, il veut dire état-major, il veut dire haut commandement PNH. Moi-même, j'en fais pas partie. Donc, je pense que nous-mêmes, n'a pas passé pour nous donner qui cadre la population au niveau téléphone si on dit en plus on dit population mettre confiance mais si on est population à l'abri la police en soit prête personne n'est à l'abri oui on dit population mettre confiance il va besoin occuper le monde puisque en fait tentative ça a été annoncé déjà puis on va y consolider c'est pas jamais qui fait bon. Nous ne pouvons pas discuter de ça qui fait et de ça nous devons faire. Parce que ça, il y a d'autres stratégiques. Même penser que si pas de gain était fait, le conseil était pressé maquillé. On dit c'est grâce à la résistance personnelle qui ne va pas de capacité. L'idée mettre grâce à un chien qui est jappé dans le voisinage qui fait bandit. Ça qui est important, c'est que l'avantage que nous gagnons dans la zone de Tibonite, c'est que les citoyens. Vous mettez ensemble avec la police et vous travaillez pour contrôler tout, pour être capable de protéger les hommes. Parce que la sécurité, bien que vos intellectuels disent que c'est un bien collectif, mais ces mêmes gens avec le boire et le manger, la sécurité, c'est l'affaire de tout un chacun, chaque monde. Doué, fait tout ça qu'on est pour renforcer la sécurité. Et c'est là que je demande encore d'encourager la population pour regrouper, pour faire ça capable, j'ai une information pour la police à temps, pour la police capable de faire ça pour le faire. Et au même tout, il faut que vous gagnez des barrières de défense. Parce que c'est sûr que la police pas de tous côtés à la fois. Mais vous avez moyen, population, est-ce que vous avez qui moyen? Est-ce que le cas de défense tête lui-même? Puisque la population, la police, sur la justice, sur l'autorité ou sur l'État. Je pense que vous mieux placé pour 10 parties moyens. Parce que moi, j'ai 14 mois dans la juridiction et le peuple Tibonite, la population Tibonite, il y a longtemps la bataille. Et ça fait 5 ans environ depuis NAP. Avancer il a fait expérience gros attaque que bandit Savien a fait, que bandit Kokorat sans race a fait sur eux, il a toujours existé, il a toujours résisté. Donc l'heure est toujours est encore à la résistance. On a fait tout ça capable en attendant plus gros moyens. On est au téléphone en cas d'alerte pour la population. Le bon numéro de téléphone habitué c'est 36 44 69 99, ça c'est le numéro PAM. Si toutefois on a un problème, on est capable de contacter. Il y a d'autres numéros de téléphone et le nous passer devant, m'a fait nous pour nous capables et diffuser aux populations capables. Commissaire, commissaire Jules Chéri, jusqu'à présent, souvent les noms dans la Tibonite là pour passer villa pour aller lycée pour vivre qu'on arrive. Donc, monsieur toujours été dans Kafoupé là. Par rapport avec l'attaque ça fait. Blindé qui était Kafoupé là, il tombe en bas. Son blindé qui m'a dit remplacé. Et je pense que au commandement de la police, ça fait tout le procédure pour remplacer. Parmi tout le monde, ça toujours dit. Pour que ça même deux blindés, même pas qu'avoir. C'est facile à dire. En Haïti, nous n'avons pas fabriqué blindés. Mais il y a des blindés dans Port-au-Prince. Ils ont été dans Port-au-Prince, ils ne sont pas dans la Tibonite. Donc cette question revient aux autorités de Port-au-Prince. Non, mais vous représentez les autorités dans la capitale là. Bien sûr, mais je ne suis pas leur porte-parole. La population livrée à lui-même là, commissaire. Même gens, moi-même livré à moi-même. Dernier message, commissaire, c'est ça, Gabriel. Dernier message. Moi, en fait, est-ce que moi livré à moi-même, oui, puisque mes populations sont à côté. On va recevoir Bacop, de l'autre côté, dans le commissariat, par rapport à ça qui passe. Si nous pas que monsieur t'a privé plus loin. Et qui va sortir? Dans quel commissariat comme ça? Je ne pas qu'à bas information ça, c'est information ça. Dernier message. Dernier message là, et moi, rappelez-moi que je dis déjà, et population en garde calme, pas prendre l'impression rumeur, il y a un pile monde qui a circulé en dedans nous là, c'est soldats. Et ces points avancés pour gang qui a fait l'appuyer le bouton dans la Tibonite. Donc, restez vigilants, comme je dis. Si nous avons des inquiétudes, parlez à monde que nous connaissons, parlez avec l'autorité directement. Et même gens, l'autorité, mettez l'information à votre disposition. Et chaque dollar, c'est le Michel dit. Lui-même tout. Bon, non, j'ai dit, j'ai tant que chef là, ville en danger tout. Ouais, monsieur d'où l'a compté sur la population. Donc, qui ça nous prend en un pays ça là? Et ça, comme tu veux, nous t'en des déclarations individuelles d'ici là, qu'a voué ventli dans une poche qui si important en un pays. Ok, si on est lui-même, il mette dans une poche. Ou pas de matériel pour bailler résultat, et bien démissionner. Si vous êtes dans le poste côté, c'est que poste là bon pour vous. Vous avez un bagage à défendre. Qui c'est l'argent? Parce qu'en entendant, mesdames et messieurs, si monsieur dit bandit toujours à faire attaque sur la population, nous connaissons qui base gang qui toujours à faire attaque sur la population. Nous ne pouvons pas réagir. C'est que lui-même, attaque ça qu'a fait là, il a un avantage nous. Oui, il a un avantage nous. Mesdames et messieurs, nous avons croisé Pita sur le mètre là, prêtez-nous la vie.